Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, votre frère Joseph. Nous voulons commencer notre quarantaine. Donc, là où tu te trouves, bien-aimé, sois à l'aise. Et enlève toute forme de distraction, donc tout ce qui peut te mettre dans la distraction. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous enseigner. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, alléluia, alléluia. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, avec nous chantons, alléluia, 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 Jésus le Dieu vivant, alléluia. Jésus est le roi des rois, c'est bien vrai. Jésus est le roi des rois, Jésus est le roi des rois, Jésus est le roi des rois, c'est bien. Ah, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, oh, alléluia, amen, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de puissance, Dieu de grâce et de gloire, je viens te dire merci Seigneur mon Dieu, roi, parce que je me suis réveillé ce matin, oh Dieu, je me suis réveillé Seigneur par ta bonté, je me suis réveillé par ta grâce, beaucoup, oh Père de gloire, je sais qu'ils n'ont pas réussi à atteindre Seigneur cette journée, Seigneur de samedi, mais à moi Seigneur tu l'as accordé, je te loue, oh Dieu des armées, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci pour la bonne santé que tu m'as donnée. Merci Seigneur, car tu m'as donné, oh Dieu, dans ce moment de respirer. Mais la bonne santé, Seigneur, tu m'as permis, oh Dieu, une fois de plus, d'élever ma voix vers toi, l'éternel véritable Dieu. Seigneur, je te rends gloire et je te rends grâce pour ton immense bonté, pour ton immense amour, pour tes compassions infinies, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur, mon Dieu, roi. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour tes bienfaits. Je te suis reconnaissant, oh Dieu, pour tes grâces. Je te suis reconnaissant pour ton amour immense, pour tes compassions éternelles, notre Dieu. Que l'honneur ainsi que toute la gloire te revienne. Seigneur, sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé le Dieu qui a souci de mon âme. Sois élevé le Dieu qui a souci de ma vie. Seigneur, non seulement ma vie sur cette terre, mais ma vie, oh Dieu, après cette terre, Seigneur. Je te loue, oh Dieu, pour cela. Je te rends grâce, Seigneur, mon roi. Que l'honneur ainsi que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour infini, Yahweh. Amen, bien-aimé. Nous voulons nous repentir, c'est-à-dire qu'on va implorer le pardon de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. Peut-être que tu viens de te réveiller. Peut-être que là, en ce moment où tu es en train de suivre cette vidéo, tu as eu à poser des actes qui n'ont pas honoré le Seigneur, qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Ou alors peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier avant ce message. Mais nous voulons implorer le pardon de Dieu. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Élevons nos voix, implorons le pardon de Dieu au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu de grâce, je viens devant de toi, Seigneur, oh Père de gloire, pour implorer ton pardon. La nuit, j'ai dormi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas la maîtrise des choses. Je ne veux pas la maîtrise de mon âme. Je ne veux pas la maîtrise de mon esprit. Voilà pourquoi je viens devant de toi, Seigneur Jésus, pour te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui s'est fait,
pendant la nuit, Seigneur, qui n'était pas en accord avec ta parole, pour tout ce qui s'est fait, oh Dieu, pendant que j'étais endormi, Seigneur, qui n'était pas, oh Dieu, conforme à ta parole, conforme à ta volonté, éternel Dieu des armées, j'implore ton pardon, Seigneur, j'implore ton pardon, oh Dieu, pour tout ce que j'ai dit, tout ce que, oh Dieu, j'ai eu à penser, qui m'ont souillé, je viens te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui a traversé mon âme, tout ce qui a traversé mes pensées, a traversé mon esprit, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié, je viens te demander pardon, Seigneur, mon jour, oh, Seigneur, j'implore ton pardon, Seigneur, pour toute activité, pour tout acte, oh Seigneur, oh Dieu posé que j'ai fait, oh Seigneur, mon jour, oh, qui n'était pas en accord avec ta parole, Seigneur, j'implore ton pardon au nom de Jésus, j'implore ton pardon au nom de Jésus, oh Dieu, que je puisse trouver grâce à tes yeux, que je puisse, oh Dieu, trouver grâce à tes yeux, éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Seigneur, je te prie de me laver par ton sang, je te prie de me purifier par ton sang, je te prie, oh Dieu, de me sanctifier par ton sang, que le sang de Jésus-Christ me lave, que le sang de Jésus-Christ me purifie et me sanctifie, je te prie, Seigneur, oh Dieu de grâce, que ta grâce soit sur moi, Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Mais tu vas élever ta voix, tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit. Parce que ces choses qu'on nous enseigne, mais c'est des choses spirituelles. Et on a besoin du Saint-Esprit pour accéder à la connaissance, à la révélation, pour même ne serait-ce que comprendre la parole de Dieu. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Parce que les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses. On peut te prêcher matin, midi, soir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. Bien-aimés, élevons une voix. Demandons l'assistance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je viens demander l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me prenne en charge. Je voudrais, oh Dieu, m'abandonner à toi. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Pour ces enseignements, je m'abandonne à toi. Pour la prière, je m'abandonne à toi. Pour ma délivrance, je m'abandonne à toi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu as envoyé ta parole. Et ta parole, oh Dieu, les guérit. Seigneur, ma vie a besoin d'être guérie. Seigneur, mon âme a besoin d'être guérie. Seigneur, ma situation a besoin de guérison. Voilà pourquoi je m'abandonne à toi, cher Saint-Esprit, pour comprendre, oh Dieu, ta parole, pour saisir, Seigneur, mon Dieu, ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ta main soit sur moi, que ta grâce soit sur moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me demande à l'Éternel de te parler personnellement par rapport à ta situation. Que le Dieu Tout-Puissant te parle, que la parole que tu vas écouter te soit adressé à toi pour, par rapport à ta situation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je t'en prie, oh Père de gloire, toi qui connais mes problèmes, toi qui connais ma situation, toi qui connais mon âme, toi qui connais les désirs de mon âme, les désirs de mon cœur, tu connais, oh Dieu, ce qui trouble et qui tourmente ma vie. Seigneur, je t'en prie, parle-moi, Seigneur, mon roi, que ta parole soit sur moi, que ta parole soit pour moi, que soit, oh Dieu, par rapport à ma vie, par rapport à ce que moi je suis en train de vivre, par rapport à ce que ma famille est en train de vivre. J'ai besoin de cette parole, Seigneur. Oh Dieu de grâce, je m'abandonne à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons le roi des rois, nous acclamons le roi des rois. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, nous acclamons le roi des rois. Amen, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons l'amour de Dieu. Nous acclamons le chevalier de l'Apocalypse. Nous acclamons celui-là qui nous a appelés ce matin, celui qui s'appelle Je suis, celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Amen. Ce matin, nous élevons Jésus pour cet enseignement. Nous élevons Jésus pour nos vies, nous élevons Jésus car c'est lui qui est l'auteur de nos vies, l'auteur de ses enseignements. C'est lui qui nous a réveillés ce matin, qui a renouvelé gratuitement en nous le souffle de vie. Nous lui devons tout. Qu'il soit glorifié. Amen. Alors ce matin, nous sommes à Grenoble, Maman Boleko, pour notre quarantaine de samedi. Amen. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Je vais prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous t'élevons encore une fois de plus ce matin. Je ne suis rien sans toi. Seigneur Jésus, je t'élève pour ma vie. Je t'élève pour la vie de ma famille. Je te lève, éternel, pour cette parole de ce matin. Je te lève pour la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent en ces lieux et en ligne. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous voulons te recommander la direction de toutes les choses.
Que le Saint-Esprit soit le maître de toutes les choses, que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde, que toute interférence diabolique soit détruite dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais que seul Jésus-Christ soit élevé en ces lieux comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Je vous salue encore une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus. Alors, ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas mis la quarantaine parce qu'on était en prière pour tous les enseignements qu'on a eus. Et quand on ne met pas, on demande à tout le monde de regarder, de revoir tout ce qu'on a eu comme enseignement, le temps aussi de nous mettre en prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le thème que nous allons commencer aujourd'hui, c'est l'état du cœur. Parce que nous prions beaucoup, hein? On prie beaucoup. On prie beaucoup, on a les intercessions, on a le dimanche l'adoration, on a plein d'autres activités. Donc, on prie beaucoup. Mais est-ce que nos cœurs sont-ils agréables à Dieu? C'est ça la grande question. Cet enseignement est tiré du livre de Proverbe 4, le verset 23. Si Papa Kofi peut lire pour nous. Amen. Amen. Proverbe, le chapitre 4, le verset 23. Amen. Tout le monde connaît ce verset. Amen. Je lis Proverbe 4, le verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. 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 Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Il y a deux choses, le Seigneur nous met en garde contre notre propre cœur, qu'on le garde. Parce qu'il peut changer, parce qu'il peut avoir d'autres sources qui ne donnent pas la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le cœur a une très très grande importance, je dirais même capitale, pour nous, pour notre marche avec Dieu, pour notre marche avec le Seigneur. Le cœur, moi je dirais aussi, c'est lui qui nous ouvrira les portes des cieux, ou ils peuvent nous fermer aussi les portes. Mm-hmm. Nous parlons là de l'état de mon cœur, l'état de ton cœur. Un amen est bien. Amen. Vous savez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on cherche, c'est que nous soyons agréables aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est la seule chose. Être agréable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous servons ce Dieu. Voilà pourquoi nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Pour lui être agréable, nous nous privons de certaines choses, que le cœur aime se réjouir. Mais on dit stop. Alléluia. Mmh. Dans ma langue maternelle, on attache le cœur. Tout juste pour être agréable à Dieu. Mais pour quelle fin? Pour hériter le royaume des cieux, bien sûr. Un amen est bien. Amen. Vous savez, on prie pour gagner le ciel. C'est pas seulement pour avoir tout ce qu'on a, tout ce qui frappe à l'œil. Mais on prie d'abord, la première chose, c'est pour gagner nos cœurs. Alléluia. Amen. Pour gagner le ciel, pardon. Pourtant, le corps de l'homme, le cœur d'abord habite où? Le cœur habite dans le corps de l'homme. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le seul membre que le corps a. Un amen est bien. Amen. Il a beaucoup d'organes. Un amen est bien ce corps. Amen. Mais Dieu parle du cœur. Il n'a pas parlé du cerveau, hein? Il n'a pas dit garde ton cerveau, hein. Il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Un amen est bien. Amen.
C'est-à-dire qu'il est de ta responsabilité, de ma responsabilité, de garder mon cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, j'aime lire la version de Martin. Alléluia, la Bible de Martin. Il dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder. Mm-hmm. Ah, je reprends. Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Amen. La vie dont on parle ici, c'est quelle vie? C'est une vie qui plaît à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit, prie beaucoup pour avoir les sources de la vie. Amen. Mais on a dit, garde ton cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Cette vie-là, c'est quelle vie? C'est la vie éternelle. La vie que le Seigneur nous donne. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils prient pourtant. Mais ils ne savent même pas qu'il y a un ciel à gagner. Non, ce que nous avons à gagner pour les célibataires, c'est le mariage, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, les enfants, pour ceux qui n'ont pas, qui cherchent la gloire, pour ceux qui veulent émerger, qu'ils émergent, pour, c'est-à-dire pour des choses terrestres. Alléluia. Or, nous cherchons Dieu pour le royaume des cieux. Nous voulons plaire à Dieu pour gagner la place au ciel. Nous allons lire Matthieu 6, le verset 21, si Papa Kofi peut lire pour nous. Amen. Matthieu 6, le verset 21, lit au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible est claire. Lis un peu fort, Papa Kofi. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Ah, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Mmh. La personne qui croit que le ciel est mon trésor, il saura marcher. Amen. Un amen est bien. Amen. Les hommes ont oublié le but de l'œuvre de la croix. C'est le rachat d'abord. Le reste nous sera donné de surcroît. Un amen est bien. Amen. Mais l'œuvre de la croix aujourd'hui servait aux hommes pour le combat. Alléluia. Amen. Comme on a dit que les hommes vainqueurs à cause du sang de l'agneau, l'œuvre de la croix, le sang qui a coulé, les gens le servent seulement pour le combat. Mais non, c'est un grand prix, le prix du rachat. Amen. Un amen est bien. Amen. Ils servent l'œuvre de la croix seulement pour la guerre. La guerre, le combat spirituel, quand je suis attaqué, je me sers de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, je me sers du sang de Jésus, je me sers des maîtres sûrs pour être guéri de toute forme de maladie. Un amen est bien. Mais nous oublions, non, la croix, un amen est bien. Amen. Ce qui s'est passé à la croix, c'est d'abord pour que nous héritons le royaume des cieux. C'est le rachat. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on était perdu, égaré quelque part. On avait perdu notre héritage, le ciel. Mais Jésus-Christ est descendu. Il a fait couler ce sang-là pour que nous héritions ce royaume des cieux. Pour que nous ayons encore cette place au ciel. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire Jean 14, le verset 2 à 3. Aujourd'hui, nous allons beaucoup, beaucoup lire parce que c'est la quarantaine. Ce n'est pas l'adoration, mais c'est la quarantaine. Amen. Jean 14, verset 2 à 3. Ok. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Non, ça va. 3. Un amen est bien. Amen. Vous savez, pour être là-bas, le tout se joue dans le cœur. Mm-hmm. Alléluia, amen. Que personne ne te trompe. Le tout se joue dans le cœur.
Un amen est bien. Amen. Le cœur est un organe capital, tant physique que spirituel. Un amen est bien. Amen. Dieu n'a pas placé au centre pour rien. Mm-hmm. Amen. Il est au centre. C'est-à-dire, c'est lui qui coordonne tout l'être humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez même, hein, c'est lui qui alimente tous les organes de notre corps. J'ai dit, le cœur est placé au centre, c'est pas pour rien. Il est le moteur du corps. Amen. Il joue deux rôles, tant physique que spirituel. Un amen est bien. Amen. Il alimente tous les organes. Par le sang qu'il pompe. C'est-à-dire, c'est le cœur qui donne la vie à tous les organes du corps. J'étais en train de m'occuper d'une personne, un frère en Christ, qui a eu un problème avec son cœur. Parce qu'il était malade, il est tombé dans un coma. Un amen est bien. Amen. Il avait eu des problèmes avec son cœur. Un amen est bien. Amen. Mais comme son cœur ne pompait pas assez de sang pour alimenter les membres de son corps, d'autres organes de son corps, on a constaté, il était dans le coma, qu'il commençait à perdre ses organes. Alléluia. Amen. Parce que le cœur ne pouvait pas faire le travail qu'il faut. C'est-à-dire donner le sang, donner vie aux autres organes. Pour vous dire, le cœur a un grand capital. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si le cœur est en panne, tout le corps va être en panne, tant physique que spirituel. Un amen est bien. Amen. Il est un moteur, un grand moteur, je dirais, pour le corps. Le cœur, je disais, c'est lui qui alimente. Mais Dieu regarde aussi au cœur. Un amen est bien. Amen. Vous savez, le cœur, il est au centre de tout. Voilà pourquoi il est aussi placé au centre. Vous savez, la bouche parle même à cause de ce qui vient du cœur. Mm-hmm. La Bible le dit. La bouche parle de l'abondance de ceux qui viennent du cœur. Les yeux peuvent regarder, mais le dernier mot revient au cœur. Les yeux peuvent regarder une personne, les sentiments viendront du cœur. Soit le cœur rejette la personne, soit le cœur accepte cette personne-là. Un amen est bien. Amen. Là, ça devient alléluia. Amen. Je disais, la bouche peut parler, mais ça vient du cœur. Les yeux peuvent voir une personne. Un amen est bien. Amen. Mais le cœur peut rejeter la personne. Amen. Un amen est bien. Amen. Papa Kofi va nous lire Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, le verset 9, papa Kofi. Jérémie, au nom de Jésus. Il est écrit dans Jérémie 17, le verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Amen. Donc le cœur, c'est un tout. Si la Bible nous dit que le cœur est tortueux, c'est Dieu qui le dit. Un amen. Pourquoi? Tous les sentiments viennent du cœur. L'amour vient du cœur. L'hypocrisie vient du cœur. La haine vient du cœur. La sincérité vient du cœur. La sorcellerie vient du cœur. Le mal vient du cœur. Un amen est bien. Amen. Est-il capable? Alléluia. Amen. Vous savez, toutes ces choses qui sont dans le cœur, alléluia. Amen. Le cœur est capable de transmettre ces sentiments-là dans tout le corps. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, si votre cœur est sincère,
votre cœur est sincère, c'est-à-dire vous n'avez pas vous ne servez pas que vos intérêts, vous allez voir tous les membres de votre corps va servir d'abord les autres. Mais si votre cœur n'est pas sincère, alléluia, amen, vous allez commencer à manipuler, utiliser les gens. Un amen est bien. Amen. Vous n'allez pas être sincère. C'est-à-dire, votre intérêt compte d'abord. Si les membres du corps produisent la sincérité, ça veut dire que votre cœur il est sincère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un temps où j'ai prêché sur l'homme. Si moi j'ai suivi un dessin animé de Son Goku. C'est-à-dire, il donne là, il prend là, il est en train d'embrasser ici, mais derrière le dos, il y a un coup qui est caché, qui peut être donné, un amen et bien. Amen. Alléluia. Si votre cœur est hypocrite, tout votre être produit, vous allez voir, votre main va produire les œuvres de l'hypocrisie. Vos yeux, vos bouches, votre bouche va produire les yeux de l'hypocrisie. Si je dis, si ton cœur est sincère, tu vas produire les œuvres de la sincérité. Si ton cœur est saint, les membres de ton, c'est-à-dire le cœur transmet au corps, à tous nos membres, son sentiment qu'il a en ce moment-là. Si ton cœur il est saint, tu vas transmettre à ton esprit la sainteté. Tu vas transmettre à tes membres les œuvres de la sainteté. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est du cœur que vient l'amour, la haine, le rejet des autres, la méchanceté. Un amen est bien. Amen. Le cœur est un grand moteur qui fait fonctionner tout le corps. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les œuvres de Dieu. Dieu le sait. Pourquoi il n'a pas dit, garde ton cerveau, garde tes pieds, garde tes mains, mais il a dit, garde ton cœur. Parce que c'est le cœur qui est le moteur. C'est pour plaire même à Dieu, il faut avoir un bon cœur. Un amen est bien. Amen. Vous savez, le cœur aussi est capable de produire d'autres sentiments, c'est-à-dire l'amour, la vie, parce que la Bible dit que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. C'est-à-dire que le cœur est capable de donner la vie. Amen. Le cœur est capable de produire la vie. C'est-à-dire un regard. Le cœur peut donner un regard au corps qui produit la vie au prochain. Il peut donner l'amour. Le cœur peut donner l'amour à une main pour bénir son prochain. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le sait. C'est lui qui a créé le cœur. Voilà pourquoi il tire notre attention. Sur tous les membres du corps, il dit, garde ton cœur plus que tout, plus que tes mains, plus que ton cerveau, plus que tes pieds et la main est bien, plus que ta richesse. Protège ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui viennent les sources de la vie. Car c'est de lui viennent la vie et la mort. Et la main est bien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le but de cet enseignement, je reprends, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Parce que si tu ne le gardes pas, il proviendra de ton cœur les sources de la mort. Mm-hmm. Et amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Les sources de la vie viendront seulement d'un cœur saint. Alléluia. Amen. Le cœur, c'est le siège de l'âme. C'est de là d'où l'âme tire ses émotions. Un amen est bien. Amen. Tu dois protéger ton cœur. Protéger ton cœur, pourquoi?
En protégeant ton cœur, en faisant que ton cœur soit une source qui donne la vie, tu protèges ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En protégeant ton cœur, qu'il soit une source de vie, c'est-à-dire c'est là où ton prochain vient puiser la vie. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand un cœur est sain, il communique à tous les membres du corps les actes de la sainteté. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire un amour sain, sans intérêt. Alléluia. Amen. Il y a d'autres amours, c'est avec intérêt. Ah, je veux faire ci à Papa Kofi, parce que Papa Kofi, en retour, va me donner ça. Ça, c'est par intérêt. C'est pas ce que Dieu nous demande. Ah, aujourd'hui, moi, je donne à Papa Kofi, parce que moi, je sais le jour où je serai en galère, je vais aller chercher. Ah non, je fais ça à Papa Kofi, pour que Papa Kofi me donne, me sert telle chose. Alléluia. Ah, ça, c'est faire semblant. Un amen est bien. Bon, amen. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de cohabiter avec Papa Kofi parce que je sais que Papa Kofi va m'apporter telle chose. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Un amen est bien. Amen. L'amour qui vient du cœur est saint. Alléluia. Amen. Il produit la paix, il produit la douceur. Le cœur, quand il n'est pas protégé, quand il n'est pas protégé, il va produire les divisions, la mort, l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Et la finalité, c'est quoi? Il nous fermera les portes du ciel. Le but de la foi au Seigneur, on l'a lu. Pour que là où est le Seigneur, que nous soyons aussi. Et le reste nous sera donné de ce quoi. Parce que la Bible elle-même nous dit quoi? Cherchons d'abord le royaume des cieux. On n'a pas dit cherchons d'abord l'argent, les relations humaines, cherchons d'abord la gloire, cherchons d'abord je ne sais pas quoi, et le reste nous sera. À quoi bon de gagner toutes ces choses et perdre son âme? Amen. Un amen est bien. Amen. C'est par le cœur que commence beaucoup de choses. C'est-à-dire, quelqu'un il veut tuer une personne, la haine va commencer où? Dans son cœur. Les attaques vont commencer où? Dans le cœur. Un amen est bien. La sorcellerie commence dans le cœur. C'est-à-dire, tu regardes une personne, tu as des sentiments négatifs à l'égard de cette personne, tu vas commencer à faire. Il y en a même qui font la sorcellerie sans raison, sans cause. Un amen est bien. Amen. Le cœur est capable de donner la vie. Alléluia. Amen. Nous devons chercher la délivrance de nos cœurs. C'est très très important. Si tu ne cherches pas la délivrance de ton cœur, tu vas développer les sentiments négatifs qui sont la haine, l'hypocrisie, la méchanceté, l'égoïsme et la mère de tout ça là, la sorcellerie. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire encore Matthieu, le chapitre 15, le verset 8, s'il vous plaît, Papa Kofi. Amen. Je lis Matthieu 15, 8. Mm-hmm. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et me lord des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Un amen est bien. Comme d'habitude, moi j'aime lire Martin Bible. Il dit, le peuple s'approche de moi de la bouche. Mm-hmm. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est comme au bar. Mm. Comme dans un bar, dans un nightclub, dans une boîte de nuit. Mais le cœur n'y est pas. Mm-hmm. Le Martin Bible nous dit, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et mon nom de ses lèvres. Mais leur cœur est fort, fort éloigné de moi. C'est-à-dire, il n'est pas seulement éloigné, mais fort éloigné. On ne parle pas, il dit, ce peuple, mon nom, alléluia. Vous savez, on ne parle pas des païens, hein? On parle des dieux.
Les gens qui, alléluia, chantent pour le Seigneur, dansent pour le Seigneur, ils sont sur le podium en train de prêcher la parole de Dieu. On ne parle pas des gens qui ont donné leur position, qui sont pour eux dans la rue, elle amène bien, qui disent qu'ils sont de l'autre côté, de l'autre royaume. On ne parle pas d'eux. On parle des gens qui parlent de la part du Seigneur, des gens qui prient, les gens qui remplissent l'église. La Bible dit, ils m'honorent des lèvres, mais ils sont fort éloignés de moi. C'est de ces gens-là qu'on parle. On ne parle pas de païens. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le cœur n'est pas seulement éloigné de Dieu, mais si fort éloigné. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, il lit dans le cœur. Tu peux faire du mal à une personne, cacher que c'est toi. Alléluia. Amen. Mais celui qui lit le cœur, il sait que c'est toi. Un amen est bien. Il regarde le cœur. Garde ton cœur. Que mon cœur ne devienne pas ce cœur-là méchant. Que mon cœur ne devienne pas ce cœur-là de haine. Que mon cœur ne soit pas le cœur-là de la sorcellerie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Nous allons comprendre d'abord, la source c'est quoi? Amen. Le cœur, j'ai expliqué. Mais la source c'est quoi? La vie aussi on connaît. La vie, on a parlé d'ici, c'est pas la vie qu'on fait, les jeunes filles qui sortent, les jeunes garçons qui sortent, les gens qui disent que, oh moi je vais faire la vie, j'ai ma voiture, j'ai mon argent, je fais. On ne parle pas de cette vie-là. On parle de la vie éternelle. Parce que cette vie-là dont tu penses, c'est une vie qui est limitée en âge, limitée en année. Nous parlons d'une vie illimitée que nous appelons la vie éternelle, le royaume des cieux. Les gens y croient, même les gens qui prient, ils croient qu'après la mort c'est fini, on dort, c'est fini, elle amène le Koukouta, après la mort il y a une porte qui s'ouvre, une porte qui donne un chemin illimité. Amen. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Nous voulons parler de la source. La source, c'est un endroit ou un élément considéré comme à l'origine. Alléluia. Amen. Ou la cause première de quelque chose. Je reprends. La source est un endroit ou un élément considéré comme à l'origine ou la cause première de quelque chose. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Vous savez, les eaux, par exemple les fleuves, ça commence quelque part. Mm-hmm. C'est là où ça commence à jaillir, c'est-à-dire son origine, tire son origine. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'origine du bien, c'est dans le cœur. L'origine du mal, c'est dans le cœur aussi. Amen. 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 Maintenant, Dieu, c'est Dieu qui connaît ce qui vient du cœur. Elle amène bien. Aujourd'hui, nous allons introduire l'état du cœur. Notre référence, c'est la Bible. Nous allons introduire l'état du cœur qui est une source de la vie. Alléluia. Nous allons parler d'un cas de la Bible. Nous allons parler de notre ancêtre Jacob. Amen. Elle amène bien. Amen. Qui est Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons, Papa Kofi, Genèse 49. Je veux expliquer d'abord, elle amène bien. Amen. Jacob est le descendant direct. Alléluia. D'Abraham. Abraham engendra Isaac et Isaac engendra Jacob. C'est ça, non? Amen. C'est une famille choisie de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une famille choisie de Dieu, une famille qui a marché avec Dieu. Alléluia. Dieu a même déclaré qu'Abraham était le père de la foi. C'est son grand-père. Donc, il a le sang des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il vient droit du sein d'Abraham, Jacob. Le sang qui circule dans les veines de Jacob, c'est le sang d'Abraham. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il a eu ses enfants. Alléluia. Il a eu les enfants. Et ses enfants ont mal marché devant lui. Avant de voir
ce qui s'est passé, nous allons mettre dans notre pensée quelque chose. Matthieu 18, le verset 21 à 22, Papa Kofi. 18, 21 à 22. Je dis au nom de Jésus. Oui, ça nous gardons à côté de Genèse 49. Amen. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire 70 fois. 70, c'est ça, non? Oui. 70 fois 7. Un seul péché. Un amen est bien. Amen. Alors le monsieur, on revient maintenant à Jacob qui est Israël. Le monsieur, il avait ses enfants. Les enfants commirent des iniquités. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Je dis. Par rapport aux iniquités. Tout à l'heure, nous venons de dire, la Bible nous dit qu'il faut pardonner un péché 70 fois, 7. Fois 7. Amen. Alléluia. Amen. Si on fait les calculs, les mathématiciens, c'est combien de fois? Ça fait 190. 190, c'est ça? 490. 490. Par jour. Un amen est bien. Amen. Alors les enfants ont commis quelque chose. Alors le monsieur qui a le sang d'Abraham, le monsieur, la Bible me dit ici, bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils et mort de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur a gardé les iniquités de ses enfants où? Dans son cœur. Mm-hmm. Vous savez, un père, avant de mourir, un amen est bien, amen, il fait un testament. Parce qu'on ne sait jamais, hein? Mm-hmm. Quand tu meurs, il faut savoir quoi laisser à tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le monsieur, il veut mourir, il sait que là, je suis à la fin, je suis avancé en âge, je dois laisser quelque chose à mes enfants. La Bible nous dit, bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils morts de Jacob. Nous allons lire à Papa Kofi, ça, moi je vais lire. Amen, amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Mm-hmm. Hey, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. C'est le testament. Amen. Mais lui, son testament, il est verbal. Oui. Alléluia. C'est-à-dire, il donne à ses enfants ce qui va accompagner. N'oublions pas que c'est un serviteur de Dieu. Il donne à ses enfants ce qui va accompagner ses enfants tout au long de leur vie. Et amen et bien. Amen. Écoutez Israël, votre père. Le testament commence. L'héritage commence. Ruben est toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche. Est-ce que la chose s'est passée ce jour-là? Non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous devons pardonner. 70 fois, fois 7. Un amen est bien. Amen. Est-ce que cette chose, en partant, alléluia, amen, est-ce que la chose s'est passée ce jour-là? Mm-hmm. La prééminence, c'est quoi? C'est la première place. Mm-hmm. Alléluia. Amen. C'est-à-dire même la Bible nous dit, vous serez la tête et non la queue. Un amen est bien. C'est-à-dire, il refuse la tête. C'est-à-dire, il refuse la tête à son enfant. C'est-à-dire, toute la vie de ce monsieur, il devait être la queue. La fin. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il était en train de donner la direction à chaque enfant. Toi, tu deviendras ceci toute la vie. Moi, je suis en train de partir. Regarde l'héritage que je te laisse. Yokeranga mawae kolonanga.
yo ke langa mawa zambe nanga ye ke langa mawa e zolo nanga yo ke langa mawa zambo na ina zongeli yo e kolo nanga na zongeli yo e zambo yo e. Écoutez, à la croix Jésus-Christ, il était venu pour ces, pour nous. Mais à la croix, on l'a frappé, on l'a humilié. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur. Oui, Jésus. Jacob a dit, toi, tu n'auras pas la prééminence. Parce que ces choses-là, il est monté sur la couche de Dieu. On ne tolère pas le péché. On ne tolère pas. Un amen est bien, mais on pardonne le péché. Quel que soit le degré du péché, tu n'as pas le droit d'ensorceler, de détruire toute une vie parce qu'on t'a fait du mal. Tu n'as pas ce droit. La Bible nous dit, à moi la vengeance et à moi hein, la rétribution. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'héritage. Tu as quel héritage? À cause de ce que tu as fait, tes parents t'ont laissé quoi? Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Alléluia, parce que tu, un jour, tu as souillé ma couche. Bon, on va prendre une parenthèse. Ça veut dire que lui, il a gardé ces choses-là où? Dans son cœur. Hein? Mm-hmm. Il a gardé ça dans un coffre fort. Que la main de quelqu'un ne peut pas aller prendre. C'est quoi? C'est le cœur. Et Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit. Donc, quand il voyait Ruben passer, quand il voyait, parce que c'était une famille de Dieu, quand il voyait Ruben adorer le Seigneur, quand il voyait Ruben passer, il dit, yo, toi là, tu n'auras rien. Ah, tu auras comme héritage la queue, la faim. C'est-à-dire, on a donné, les autres ont rayé, rayé. Toi, tu viens à la fin. Alléluia. Imagine. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi, je suis venu dire à Ruben aujourd'hui que tu vivras, Ruben. Amen. Si tu as péché, réponds-toi. Tu vivras. Tu as le droit du pardon, Ruben. Amen. Amen. C'est pas parce que quelqu'un fait du mal que dans ton coffre fort, tu as gardé ces choses au moment du départ, tu gaspilles sa vie et toute la vie, il est là que il a fait quoi? Ruben, je me lève comme une servante de Dieu. Amen. Tu vivras. Amen. Un amen est bien. Si tu as une mère en Seigneur et que tu as un Ruben dans ta vie, ton fils est né, il vivra. Amen. Il aura la prééminence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce matin, nous annulons, nous effaçons au nom de Jésus-Christ tous les actes, les ordonnances qui sont en train de condamner les Ruben. Les Ruben, vous vivrez au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est un homme qui a détruit la vie des Ruben. Mais c'est Dieu qui a effacé, qui a annulé l'acte dans l'ordonnance et en train de condamner Ruben. Amen. Ruben, je le dis, je le redis, en tant que serviteur de Dieu, tu vivras. Amen. Alléluia. Amen. Sous le soleil, mon Ruben à moi, il vivra. Amen. Ton Ruben à toi, il vivra. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Christ est parti à la croix pour les Ruben. La parole est sortie. Soit 70 fois, fois 7. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lui, il a élevé tous ses enfants. Alléluia. Quand il voyait Joseph, il se disait, Joseph, oh, il sera un grand monsieur. Joseph, il sera à la tête. Alléluia. Amen. Mais quand il voyait Ruben passer, il disait, toi là, un amen est bien. Amen. Alléluia. Dieu. Vous savez, le cœur est capable de détruire, mais le cœur aussi est capable de produire la vie. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je parle au cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus, reproduisez la vie. Amen. Un amen est bien. Amen. Il a gardé toutes ces choses-là.
jusqu'à son départ. Il a gardé tous ses dossiers jusqu'à son départ. Alléluia. Amen. Et amen est bien. Il a gardé ça où dans son cœur. Voilà pourquoi je bénis une femme qui dit Bote mananga sando kwa makambo. Et amen est bien. Amen. Le cœur de Jacob était rompu. Alléluia. Amen. Ruben. Ruben. Donc chaque jour, c'est-à-dire la chose n'est pas, malgré les années passées, le cœur était là, alléluia, amen, en train de mijoter. Ruben, tu n'auras pas la paix. Mais Dieu a déjà annulé ça. Elle amène bien. Amen. Alors nous demandons à papa Kofi de nous lire maintenant le verset. Le verset. Ne, regarde. Tu peux prendre le verset 5. Siméon, son frère, non, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais au verset 8, écoutez ce qu'il dit. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera à la nuque, sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosternera devant toi. Alléluia. Amen. Vous savez, son cœur a béni. Son cœur a élevé, un amen est bien. Amen. C'est-à-dire, il a élevé, un amen est bien. Amen. Mais il a refusé d'élever le premier. Un amen est bien. Amen. Il a refusé de pardonner. Parce que quoi? Le cœur a gardé toutes ces choses. Amen. Non, on doit se libérer. Cette semaine, libérons le cœur. Libérons nos cœurs des gens qu'on a emprisonnés. Vous savez, il y a des gens qui ont emprisonné quelqu'un comme moi. Alléluia. Amen. Avec mon poil. Tu me gardes dans ton cœur. Ton cœur, il va s'éclater. Et amène bien. Amen. Alléluia. Ton cœur, il va s'éclater parce que je pèse lourd. Et amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore le verset 10. Regardez comment il est en train d'élever Judas. Le sceptre ne s'éloignerait point de Judas. Parce que le cœur est capable de produire quelque chose de bon. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Je veux poser une question à moi et à tout le monde. Entre le pardon et la sanction, quelle est la source de la vie? Alléluia. Amen. Moi, je crois, la Bible nous dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, que c'est de là que viennent les sources de la vie. J'ai dit entre le pardon et le pardon et la sanction. Quelle est la source qui produit la vie dans la vie de ton prochain? Moi, je crois que c'est le pardon. C'est ce que Dieu nous demande. Un amen est bien. Alléluia. Je veux encore relire. Un amen est bien. Vous savez, moi je dis, le cœur est manipulateur. Alléluia. Le cœur qui n'a pas Dieu est manipulateur. Écoutez maintenant. Là, le même cœur, là il produit, là il sanctionne, il détruit, il donne l'héritage de la queue à toute une vie. Alors que la parole de Dieu nous dit, vous serez la tête. Et non. Alléluia. Il y a des enfants qui ont commis des choses. Il y a des enfants qui ont commis des choses. Il y a des enfants qui ont blessé le cœur des enfants. Comme nous aussi à la croix, on a blessé le cœur de Jésus. Mais Jésus-Christ, il a dit quoi? Père, il a intercédé pour nous. Mais il y a des parents qui refusent de pardonner leurs enfants. Qui condamnent les enfants à une vie médiocre. Qui condamnent les enfants aux larmes. Qui condamnent leur descendance aux pleurs. Un amen est bien. Parce qu'ils ont dû commettre quelque chose un jour. La Bible dit qu'il a effacé, qu'il a annulé
Tous les actes dont les ordonnances nous condamnent. Au nom de Jésus-Christ, je me lève comme la servante de Dieu. J'annule, j'efface toutes les ordonnances qui sont en train de condamner les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont commis quelque chose. Christ nous a pardonné. Il a accepté même la mort pour nous. Amen. Si tu as été condamné à la maladie parce que tu as fait quelque chose, fléchis tes genoux, réponds-toi. Christ t'a pardonné. Christ est parti à la croix pour toi. Elle a vie. Si tu es premier-né, elle a prééminence. Au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de la personne qui t'a condamné, mais au nom de Jésus. Amen. Dis un grand amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant un deuxième cas dans la Bible. Genèse 37. Nous revenons un peu en arrière. C'est-à-dire que cette famille-là de Jacob est très très compliquée. Genèse le chapitre 34. Non, le chapitre 37. Le verset 3. Si papa Profit peut lire pour nous. Genèse 37, verset 3. Ouais. Israël aimait Joseph plus que tous les ses autres fils. Ah, arrête-toi d'abord là. Mais ça, c'est quel cœur ça? Ça, c'est quel parent? Amen. Vas-y, papa Kofi, reprends s'il te plaît. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Amen. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. On s'arrête là. Amen. Elle amène bien. Amen. Vous savez, c'est normal. Oui, c'est normal. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon premier-né, il a 42 ans. La dernière a 16 ans. Donc, je ne vais pas les prendre la même chose. J'aurai beaucoup plus d'attention pour la dernière parce qu'elle dépend encore de moi. Mais je ne dois pas l'aimer plus que les autres parce que tous sont mes. Vous savez, j'ai vu dans le monde quelqu'un qui s'est séparé avec une femme. Il a eu une deuxième femme. Va aimer les enfants qu'il a eu de sa deuxième femme plus que les enfants qu'il a eu de sa femme qu'ils ont divorcé. Regardez comment nous, les parents, nous exposons nos enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, dans des familles comme ça, la sorcellerie règne en maître, en maîtresse. Alléluia. Amen. L'enfant que tu as élevé plus que ses aînés, que quel regard les aînés auront de lui. On les expose. Est-ce que c'est alléluia? Amen. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire, faisons attention. Alléluia, faisons attention. Le cœur, Dieu nous a doté d'un cœur capable. Alléluia. Amen. De faire la part des choses. Un amen est bien. Amen. Il a suscité la jalousie. Nous allons voir. Un amen est bien. Amen. Vous savez, lui-là qui avait refusé la prééminence à Ruben. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le lien ne vient pas de lui? C'est lui qui a eu les villas et tout ce monde-là. Un amen est bien. Alors, il doit faire la part des choses. Le lien vient de qui? C'est lui qui a eu plusieurs femmes. Il a eu même les servantes. De sa, quand lui donnait les servantes, il ne pouvait pas dire non. Il a dit oui. Alléluia. Bon, ils ont vécu, et les maîtresses et les servantes, partageant un seul homme. Les enfants ont vécu ces choses-là. Ils ont vu comment ma mère a été traitée par rapport à ta mère. Alléluia. Amen. Ta mère était la première épouse, ma mère la deuxième. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, mon père a maltraité ma mère à cause de toi. Amen. Vous croyez que les enfants qui vont naître dans cette famille-là, sans Jésus, ils vont s'aimer?
Alors pourquoi il reproche ça au pauvre Ruben? Le lien vient de lui. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais encore lire. Ah, pitié, Jésus. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Pour faire quoi? On le fait aujourd'hui, on ne fait plus des tuniques, mais on le fait, c'est-à-dire on privilégie plus les autres enfants, plus que les autres. Mais ça va créer quoi? Celui qu'on n'a pas fait la tunique va aimer celui qui a la tunique. Papa Kofi, va. Prends le verset, commence au verset 5 et je te dirai où tu vas arrêter. Amen. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des jambes au milieu des champs et voici ma jambe se leva et se tint debout et vos jambes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ouais. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Oui, et vas-y. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Ajouter à l'amour de son père, il était choisi de Dieu, amen. Le pauvre. Ses frères le haïrent encore davantage. Elle amène bien. Amen. Le papa là, il a eu le discernement au verset 11. Quand l'enfant a eu ce songe là, il savait ce qu'il... Il avait le discernement. Il savait, c'était un serviteur de Dieu. Il savait ce qui allait arriver. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. C'était un homme compliqué. L'état du cœur. Vous savez, un jour, ses frères étaient partis paître les troupeaux. Alléluia. Amen. Israël dit à Joseph, ce même Joseph, hein, va leur donner à manger, va voir s'ils sont en bonne santé et va voir si le troupeau se portait bien. Mm. Papa Kofi lit verset 18 à 20. Amen. 18 à 20. Ils le virent de loin. Écoutez, l'état du cœur, attends d'abord Joseph, l'état du cœur de ses frères était comment? Un, blessé parce que lui, on l'aimait. Mm-hmm. D'abord, ils sont nés de plusieurs mères. Amen. Alléluia. Amen. On a aimé sa mère plus que la mère des autres. Alléluia. Amen, amen. Un amen est bien. Amen. Lui, on lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Oui. Il montrait qu'il l'aimait. Et puis, il avait quoi? Les songes. Amen. Sois-y de Dieu. Amen. Maintenant, représentez-vous. Le cœur de ses frères était comment? Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'état du cœur des gens. On ne parle pas des gens qui sont dehors, mais les gens qui prient à l'écho. Des fois, ils prêchent. Jacob n'était pas n'importe qui. Le sang qui circule dans les veines d'Abraham circulait dans les veines de Jacob. Amen. C'était son grand-père. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer, papa. Amen. Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » On s'arrête là. Amen. L'état du cœur de ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas vu que le pauvre petit, ce n'était pas lui.
Le grand manipulateur de tous ces cœurs-là, c'était leur père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils passèrent à l'acte, ils ne le tuèrent pas, mais ils l'ont d'abord jeté dans la citerne. Mais ils pouvaient avoir un serpent venimeux là-bas qui pouvait tuer l'enfant. Un amen est bien. Amen. On remit ça, alléluia, ils ont dit, bon, on le vend. Alléluia. Amen. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Le rêve n'était pas encore accompli, mais le cœur voulut arrêter ses rêves. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, l'œuvre de Dieu sur une personne, tu ne peux pas l'arrêter. Ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Quand Dieu choisit une personne, cet enfant-là, il a été choisi. Cet enfant-là n'a pas demandé à son père un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. De lui faire la tunique. Un amen est bien, amen. Ni d'aller avoir pour plusieurs femmes, mais il était en train de payer seulement les pots cassés d'un cœur, alléluia, amen. Meurtri. Amen. Un amen est bien, amen. Quel est l'état de ton cœur? Beaucoup sont morts ou souffrent sous la terre, sont même vendus, ils sont au chômage, donc ils sont en train de vivre des choses terribles parce qu'un cœur est blessé, parce qu'un cœur est blessé, parce qu'un cœur ne veut pas pardonner. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une personne qui n'a pas su protéger son cœur. Vous savez, si vous protégez votre cœur, vous protégez aussi vos enfants, vous protégez aussi votre prochain. Un amen est bien. Amen. Un cœur ne se lèvera pas contre son prochain. Un amen est bien. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui ont tout, sauf un bon cœur. Alléluia. Amen. Je reprends. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont tout, sauf un bon cœur. Sinon, Dieu n'allait pas donner cette parole. C'est de l'état du cœur. L'état du cœur, c'est la clé qui nous ouvrira les portes des cieux. Tu peux prêcher aujourd'hui, tu peux faire des miracles, mais si tu n'as pas un bon cœur, alléluia, tu seras comme un touriste. Tu viens, tu fais un tour, tu repars en enfer. Pitié. Moi, je me rappelle, un jour, maman Lali m'a dit, si les cœurs, si un cœur est délivré, il va aspirer aux choses du ciel. Alléluia. Amen. Si le cœur est bon, si le cœur est délivré, il va aspirer aux choses du ciel. Lis d'abord, papa Kofi. Matthieu 6, verset 21. On l'a déjà lu. Amen. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21 dit ceci. Excusez-moi. Alors, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu as un bon cœur, tu vas t'affectionner aux choses d'en haut. C'est-à-dire, je ne veux pas haïr quelqu'un. Amen. Un amen est bien. Amen. Je ne peux pas faire du mal. Je ne peux pas ensorceler. Je ne peux pas condamner. Un amen est bien. Amen. En toi, il n'y aura ni jalousie, ni haine, ni méchanceté. Surtout pas l'hypocrisie. Aujourd'hui, les gens sont doués. Doué de l'hypocrisie. Le tout vient du cœur. Le vrai amour vient du cœur. Papa Kofi, si tu peux lire Colossiens, le chapitre 3, le verset 2. Colossiens, chapitre 3, le verset 2 dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Tu trouveras-t-il des bons cœurs? Parce que ça ne va pas se passer seulement ce jour-là. C'est tout le long de notre vie. Amen. Un bon cœur ne change jamais. Alléluia, nous sommes des humains, on n'est pas Dieu, mais Dieu nous donne, nous demande de pardonner à lui la vengeance, à lui la rétribution. La mort est rentrée même dans la maison de Dieu.
la mort est rentrée dans les foyers. Une femme est capable de livrer son mari, un homme est capable de livrer sa femme, un homme est capable de livrer ses propres enfants. Nous le voyons tous les jours. Un amen est bien. Amen. Nous avons introduit là l'état du cœur. Nous devons prier pour nos cœurs. On prie beaucoup pour l'argent, on prie pour les maisons, on prie pour la gloire, on prie pour avoir 10 000 églises, on prie pour avoir 50 000, 100 000 fidèles dans son église. Mais on ne prie pas pour avoir un bon cœur, pour aimer les gens de l'église, pour aimer le prochain. Pour aimer sa femme, pour aimer son mari, pour aimer ses enfants. Pour aimer même les enfants que ton mari a eu avant toi, pour aimer même l'enfant que ta femme a eu avant que tu aies cette femme-là, un amen est bien. Amen. Le moment est arrivé. Arrêtons avec l'hypocrisie avec le Seigneur. Dieu, il est le maître de toutes les choses. Il amen. Voit tout, il sait tout. Aujourd'hui, nous avons introduit. Cette semaine, c'est la semaine des lamentations sur l'état de mon cœur. Personne ne connaît ton cœur plus que toi. Moi, je connais mon cœur. Je sais que mon cœur est capable de quoi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Notre prière, c'est la repentance. Un amen est bien. Amen. L'état du cœur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Tu veux seulement avoir ce que l'autre a. Tu veux seulement avoir ce que l'autre a. C'est l'état aussi d'un cœur. Alléluia. Amen. Moi, je sculpte tout. Des fois, on peut dire que je suis égoïste ou quoi, mais je regarde tout. Alléluia. Amen. C'était... J'ai remarqué une personne que je connais. Alléluia. Amen. La personne travaille. Moi, je travaille. Elle amène bien. Amen. Quand la personne ne travaillait pas, alléluia, c'est un de mes frères. C'est normal. On va l'aider. Mais il travaille. Alléluia. Amen. Quand il a un problème, il m'appelle pour que je lui achète le produit. Pour que je lui... Alléluia, il a un problème. Moi, je dois lui acheter les produits. Moi, je dois lui faire ci. Mais lui, son argent, c'est pourquoi. Ça aussi, c'est l'état d'un cœur. Amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. Tous nous travaillons, tous nous sommes en train de se débrouiller. Maintenant, toi, ton argent sert à quoi? C'est-à-dire, mon argent à moi, c'est pour aider toute la famille, pour acheter les produits, pour acheter à manger, pour acheter les layettes. Et toi, ton argent, c'est pourquoi? C'est aussi l'état de ton cœur. Si tu es comme ça, il faut prier au Seigneur. Cette semaine, nous allons présenter nos cœurs au Seigneur. Que le Seigneur regarde l'état de nos cœurs. On prie beaucoup, mais les cœurs sont loin de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, ce peuple m'honore de la bouche. Leur cœur est si éloigné de moi, fort éloigné. Un amen est bien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, peuple de Dieu, quelle parole. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous glorifions le nom de notre Dieu. Mais là, tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette parole, pour cet enseignement. Élevons nos voix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Dieu des armées. Je te loue, Seigneur, et je t'adore. Toi qui connais, oh Dieu, nos cœurs, tu connais mon cœur, tu connais la profondeur de mon cœur. Tu connais, oh Dieu, chaque point, chaque recoin de mon cœur. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Pour cette parole, pour cet enseignement, je bénis ton nom, oh Dieu des armées, parce que tu es en train de mettre le doigt sur le problème, Seigneur. Un mauvais cœur, oh Dieu, n'héritera pas le règne des cieux, mais par ta bonté, par ta grâce, tu as commencé avec nous cet enseignement. Je te loue, oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Merci pour les exemples, oh Dieu, mon roi, que tu as pris. Oh Seigneur, pour moi, je croyais, oh Dieu des armées, que Jacob était dans ses droits, mais oh Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur, un bon cœur doit pardonner, un bon cœur doit changer. Je bénis ton nom pour cette parole. Laisse que l'honneur ainsi que la gloire te reviennent. Sois élevé le Dieu Tout-Puissant, sois élevé le Dieu de grâce, sois élevé le Dieu. Tu veux que
mon cœur change, qu'il veut que je puisse hériter le ciel. Yahweh, je bénis ton nom, je te rends des multiples actions de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Sois magnifié le Dieu qui nous enseigne. Sois élevé le Dieu qui nous donne la connaissance. Sois élevé le Dieu qui m'éclaire. Sois élevé le Dieu de la parole de Dieu. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur. Oh, Yahweh, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Demande d'écouter la parole. On a vu comment est-ce qu'on nous a fait la démonstration. C'était une démonstration. La démonstration de ce que c'est qu'un mauvais cœur. La démonstration de ce que doit être un bon cœur. Bien-aimé, la Bible déclare, on avait lu tout à l'heure, que le cœur de l'homme est tortueux. Chacun de nous connaît son cœur. Peut-être que tu ne le connais pas comme Dieu connaît ton cœur, mais tu sais comment est-ce que quand tu vois ton prochain, quand tu sais, tu vois la personne qui t'a fait du mal, tu sais les ressentiments que tu as. Quand tu vis, tu vois la personne qui t'a injurié, tu connais les ressentiments que tu as. Quand tu vois les personnes qui t'ont fait du mal, tu sais toi-même comment est-ce que tu réagis. Bien-aimé, Jésus-Christ sur la croix, en train de souffrir. Ce n'est pas qu'il ne souffrait pas, il était en train de souffrir. Il avait la couronne sur la tête, il avait les pointes dans les mains, il avait mal. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Est-ce que toi, moi, on est capable de dire aujourd'hui, pardonne-leur, parce que même avec le mal qu'ils m'ont fait. Bien-aimé, on va seulement se repentir, parce que chacun de nous sait ce qu'il est. On va commencer par là. Est-ce que ton cœur pardonne? Bien-aimé, Dieu va venir nous voir, il va demander pardon à Dieu pour tous ces ressentiments dans le cœur, priant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens au Dieu, fort de ta parole, avec ta parole que j'ai entendue, que j'ai écoutée. Seigneur, aujourd'hui, je dis que mon cœur est tortueux. Aujourd'hui, je dis que mon cœur est compliqué. Aujourd'hui, je dis, oh Dieu, Seigneur, que j'ai mon cœur qui n'est pas droit. Seigneur, si je regarde, quand je vois les personnes qui m'ont blessé, quand je vois les personnes qui m'ont fait du mal, Seigneur, il y a des ressentiments dedans de moi. Il y a des ressentiments dans mon cœur. Voilà pourquoi je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon éternel. J'implore ton pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le cœur tortueux, Seigneur, pour le cœur méchant, pour le cœur qui manque de pardon. Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce cœur, ô éternel. Et ô Dieu, il n'y a que toi. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu, roi. Toi, tu as dit dans ta parole, Seigneur, de pardonner, Seigneur. Ce sont 10 × 7, oh Jésus-Christ, par jour, Seigneur, pour une offense. Mais pour une offense, on m'a fait, oh Père de gloire. Moi, si je suis incapable de pardonner, oh Seigneur Jésus, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, l'Éternel. Je viens te demander pardon, Seigneur. Oh Dieu, pitié de moi. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, oh Dieu. Et pitié de moi, Seigneur, oh Jésus-Christ. Je t'en supplie. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur Jésus, je t'en supplie, ô Père éternel, je t'en supplie, Papa, pardonne, Seigneur, mon Dieu, j'implore ton pardon, l'Éternel, j'implore ton pardon, Jésus, pardon pour le manque de pardon, Seigneur, pardon pour le manque de pardon, Yahweh, ô Jésus, pitié de moi, ô nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, on avait lu tout à l'heure, on a lu tout à l'heure dans le livre de Genèse 37, on nous a dit que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, bien-aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des gens qui ne croient pas en Dieu. La manière dont tu aimes Paul, c'est la même manière dont tu dois aimer Pierre. Alléluia. La manière dont tu aimes Paul, c'est la même manière que tu dois aimer Jean. Mais toi et moi, on a des préférences. Disons-nous la vérité, nous avons des préférences. On aime plus Pierre que Paul. On aime plus Jean que Jacques. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit se repentir, sincèrement. Ce n'est pas l'amour que Dieu veut, ce n'est pas le cœur que Dieu veut. Amen. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, je viens devant de toi. Seigneur, mon cœur est partiel. En moi, oh Dieu, il y a la partialité. En moi, oh Dieu, il y a les préférences. En moi, oh Dieu, j'ai des estimes, Seigneur, de certaines personnes plus que d'autres. Oh, tu viens de me dire, Seigneur, à la lumière de ta parole, que mon cœur, oh Dieu, je dois aimer mon prochain de la même manière. Tu viens de me dire, oh Dieu, mon Seigneur, que Jacob devait aimer tous ses enfants de la même manière, mais moi j'ai des préférences. Et moi, oh Dieu, je préfère d'autres personnes plus que d'autres. Voilà pourquoi je viens devant de toi. J'aime plus certaines personnes que d'autres. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus.
Je te loue par nom postéré, Seigneur. Je te loue par nom, ô Éternel. Je te loue par nom, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, pour les préférences, Seigneur. Jésus, tu n'as pas préféré Pierre à Paul. Tu n'as pas préféré Pierre à Jean. Tu n'as pas préféré Pierre à André. Même Judas l'Iscariote, celui qui t'a trahi. Tu l'aimais sincèrement, Seigneur, mon Dieu, mon bas. Mais moi, Jésus-Christ, moi, Seigneur Jésus, moi, je suis de les préférences. Seigneur, je te loue par nom. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ. Je viens implorer ton pardon, Seigneur. Là où j'ai des préférences, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Pardon, Seigneur, moi je m'en vais. Pardon, Seigneur, oh Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, l'Éternel. Aie pitié de moi, Seigneur, moi je m'en vais. Je viens te demander pardon, Seigneur. Yahweh, j'implore ta miséricorde. Ton pardon, Seigneur, moi je m'en vais. Je reconnais que mon cœur, oh Dieu, est partial, Seigneur. Mon cœur, oh Dieu, est partial. Oh Jésus, aie pitié. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur, j'implore ton pardon, Seigneur, mon roi. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Et envoie les favoritismes, Seigneur. Je défavoritise, oh Jésus-Christ. Je défavorise, oh Dieu. Je n'aime pas les gens de la même manière. Je ne les supporte pas de la même manière. Je ne regarde pas de la même manière. Oh Jésus, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur. Ma manière de me comporter, Seigneur, n'est pas équitable, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Je viens te demander pardon, Seigneur. Ma manière de me comporter, oh Dieu des armées, avec les uns et avec les autres, n'est pas équitable, Seigneur. Mon cœur est, oh Dieu, partagé. Mon cœur est partagé, Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, l'Éternel. Je viens te demander pardon, Jésus. Oh Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur. Oh Jésus, pardon, je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés, nous devons prier. Le cœur, c'est un grand, 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 grand chantier. Le cœur, c'est un grand, 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 grand sujet. Bien-aimés du Seigneur, dans nos familles, surtout nous qui sommes ici de familles recomposées, pour ne pas dire les familles polygamiques. Bien-aimés du Seigneur, quand on grandit avec des frères, ou comme tu voulais, des demi-frères, des demi-sœurs, il y a toujours des conflits. Il y a toujours des conflits. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es devenu chrétien, chrétienne. Est-ce qu'il y a encore en toi ces conflits? Est-ce qu'il y a encore en toi ces comportements? Voilà pourquoi toi, on va élever nos voix vers le ciel. On va pleurer le pardon de Dieu pour les membres de nos familles. Peut-être que tu as vécu avec ta belle-mère, elle t'a maltraité. Aujourd'hui, tu as envers elle une haine sans nom. Mais tu dois pardonner. Le cœur doit pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, élevons nos voix. Implore le pardon de Dieu. Si tu dois pleurer pour ton cœur, bien-aimé, pleure. Si tu dois, je ne sais pas faire quoi, pour que Dieu puisse changer ton cœur, bien-aimé, je nous invite à le faire. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je viens devant de toi. Seigneur, je viens implorer pour ton pardon, Seigneur. Oh Dieu, nous qui avons grandi dans les familles recomposées, dans les familles, oh Dieu, polygamiques. Éternel Dieu, il y a eu des choses qui sont passées. Il y a eu des querelles, il y a eu des disputes, il y a eu des distorsions. Seigneur, ça a suscité la haine entre les frères, entre les sœurs. Ça a suscité, oh Dieu, des choses, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes nouveau-nés et nous devons garder cette rancune. Nous, aujourd'hui, nous sommes nouveau-nés et nous devons garder cette colère. Nous devons garder ces haines. Oh Dieu, dans le cœur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne, Seigneur, oh Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Je t'en supplie, oh Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ton pardon, l'Éternel. J'implore ton pardon, oh Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur, oh Jésus. Je viens te demander pardon, oh Dieu, pour tous ces ressentiments, pour tous ces haines, Seigneur, mon roi, pour toutes ces colères, Seigneur, pour ces sentiments d'injustice, oh Dieu des armées, de rancune, Seigneur, mon roi, et pitié, Seigneur, oh Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Yahweh. Pardonne, Seigneur, oh Jésus-Christ. Pardonne, au Père de gloire, pour ces ressentiments. Pardonne, pour ces haines, Seigneur. Pardon pour ces haines, oh Dieu. Pardon, Jésus, pour ces trahisons. Pardon, Seigneur, oh Jésus. Je t'en supplie, Yahweh. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais raconter une anecdote. Amen. Alors, c'était quand j'étais au collège. Et je venais. Je revenais du collège. Maintenant, là, l'immeuble où j'habitais,
avec ma grande soeur. En dessous, il y avait la grand-mère qui était là. Mais la grand-mère était là avec la petite soeur, avec une autre grande soeur. Et je suis venu là-bas. Moi, j'étais tout content. Je dis, ah, je vais dire bonjour à ma grand-mère. J'étais content, comme un enfant, tout simplement. Maintenant, j'arrive en bas, donc pour voir la grand-mère. J'étais au pied. J'étais vu comme un espion. On me dit, oh, ah, tu es venu nous espionner, hein? Hein, tu es venu nous espionner pour dire à ta grande soeur, hein? Mais ça m'avait blessé. Ça m'avait blessé parce que j'avais un bon. Au départ, j'avais un bon. Comment dirais-je? Une bonne intention. Mais cette chose-là, je l'ai gardée longtemps dans le cœur. Mais comme la servante de Dieu dit, le cœur est la source de tout. Mais quand tu gardes des choses mauvaises dans ton cœur, tu peux avoir des examens. J'avais des examens sur la peau, donc des plaques qui étaient poussées parce qu'il y avait en moi des ressentiments. Mon âme était blessée et cela se manifestait par des plaques sur le corps. J'en avais beaucoup dans les creux, dans les bras, bien-aimé. Pourquoi? Le cœur était malade. Peut-être que tu as une maladie dans ton cœur. Peut-être que tu as l'eczéma. Bien-aimé, regarde seulement ton cœur. Regarde seulement ton cœur. Voilà pourquoi Thomas va lever nous voir aujourd'hui. Pour crier à l'Éternel, on dit, Seigneur, aie pitié de mon cœur. J'ai des maladies que je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas à cause de mon cœur? Et là, on va venir. Prie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh Jésus, je viens devant de toi, Seigneur, mon roi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je suis en train de vivre des choses. Je suis en train de voir des maladies, Seigneur, mon roi, que je ne comprends pas. Et à l'origine, est-ce que ce n'est pas mon cœur? Est-ce que ce n'est pas mon cœur qui est en train de sortir, Seigneur, ces choses-là? Puisque mon cœur est la source de toutes les choses. La source de la vie, la source des maladies, la source de la bénédiction, la source de la mort. Seigneur, ça provient du cœur. Seigneur, je viens t'en supplier, papa. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Jéhovah. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, on a des maladies, Seigneur, qui ne se guérissent pas. On a des maladies, Seigneur, sans nom, à cause du cœur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié, Yahweh. Je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi, Seigneur, mon Jéhovah. Je t'en supplie, Seigneur, mon Jéhovah. Et Yahweh, je crie à toi. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Je viens pleurer ton pardon, Seigneur, et ta miséricorde, oh Seigneur, oh Jésus-Christ, et pitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je viens à toi, Seigneur Jésus, je viens à toi, le Tout-Puissant, je viens à toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, le Dieu vivant, il n'y a que toi, le Tout-Puissant, oh Seigneur, oh Jésus, je pleure ton pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je pleure ton pardon, Seigneur, pour toutes ces choses, oh Dieu de mon cœur. Je t'en supplie, Yahweh, je t'en supplie, Seigneur Jésus, et pitié du cœur. Seigneur, aie pitié de mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Le cœur, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est l'introduction. On peut continuer les prières, mais je nous invite à sonder le cœur. On va demander au Saint-Esprit de nous révéler l'état de mon cœur. Amen. Il y a une parole qui déclare. Sondons le cœur. Alléluia. Sondons le cœur. Et notre choix dans les psaumes 139, si je ne me trompe pas, il a dit, Seigneur, sonde-moi. C'est David qui dit, Seigneur, sonde-moi si je n'ai pas quelque chose de mauvais en moi, dans le cœur. Mais c'est notre prévoi à faire maintenant. On va demander au Seigneur de nous sonder. Parce que de fois, on croit qu'on est bien. Mais des fois, on croit que non, nous, le cœur, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que toi et moi, on n'a pas encore été confrontés à des situations, à des événements qui révèlent l'état du cœur. C'est pour ça qu'on croit ces choses-là. Donc, tu vas lever ta voix, tu vas dire, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, élève-toi, bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui, je dis, moi, que j'ai un bon cœur. Mais Seigneur Jésus, je n'ai certainement pas été confronté, Seigneur, à des situations, à des choses, Seigneur, de la vie qui ont touché mon cœur pour révéler le contenu. Voilà pourquoi je te prie, ô Éternel, de me sonder. Dis-moi, Seigneur, mon roi, l'état de mon cœur. Révèle-moi, je t'en prie, Seigneur, l'état de mon cœur. Je te supplie, Yahweh. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Fais-moi grâce, ô Dieu. Moi, je sais une chose. Tu as dit dans ta parole qu'un mauvais cœur n'héritera pas le règne des cieux. Un mauvais cœur ne va pas voir ta gloire. Ô Jésus, sonde mon âme.
cœur, Seigneur. Sors de mon cœur, oh, Seigneur Jésus, et réveille-moi ce qu'il y a au fond de moi. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, je t'en prie, Seigneur, mon bras. Oh nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Je t'en supplie, Yahweh. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Juste un petit témoignage encore. Bien-aimé, ces choses-là, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Une personne, un ami à moi que j'aimais beaucoup, mais a dit des paroles déplacées. Pour moi, j'avais un cœur, non, je pouvais pardonner pas facilement. Mais quand la chose s'est passée, mais quand le soir, quand je fléchis mes genoux pour prier, j'avais ces choses dans mon cœur. Il y avait ce ressentiment, je dis, ah, mais comment est-ce qu'il a pu me dire cela? Comment il peut me dire cela? Moi, je lui ai fait du bien. Moi, je lui ai fait ceci. Mais pourquoi est-ce que mon ami m'a dit ça? Alléluia, bien-aimé. Les choses du cœur, c'est compliqué. Tant que tu n'as pas été confronté à la situation, tu ne peux pas savoir si tu as oui ou non un bon cœur. Si tu as un cœur qui pardonne. Bien-aimé, c'est important que Dieu sonde le cœur avant que le Jésus-Christ vienne nous prendre. Alléluia. Parce que tu vas croire que tu es bon. Oh, dans ton cœur est tortueux. Bien-aimé, quelque chose qui est tortueux, il y a des coins et des repentes. Si on ne sonde pas, on ne peut pas savoir ce qui est caché. Tu vas encore lever ta voix. Tu vas demander au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, révèle-moi mon état, l'état de mon cœur. Révèle-moi, parle-moi, dis-moi quel est l'état de mon cœur. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Révèle-moi, oh Dieu tout-puissant, je te prie, l'état de mon cœur. Quand je vois, oh Dieu, les personnes qui m'ont offensé, même les personnes qui ne m'ont pas peut-être offensé sciemment, mais Seigneur, quel est l'état de mon cœur? Quand je le vois et quand je le verrai, est-ce que je vais avoir des ressentiments? Seigneur, je t'en prie, oh cher Saint-Esprit, révèle-moi l'état de mon cœur, que je change ce cœur, que je prie pour mon cœur. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais la dernière prière, tu vois, pardon, tu vas recommander ton cœur à l'Éternel. Tu me dis, Seigneur, la Bible déclare, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Il n'y a que toi, Jésus. Voilà pourquoi je t'abandonne mon cœur. Seigneur, toi-même, Seigneur, traite mon cœur. Toi-même, Seigneur, change mon cœur. Toi-même, Seigneur, fais quelque chose pour que mon cœur soit comme le cœur que toi tu veux, priant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, je viens mener devant de toi, oh, devant le trône de ta grâce, mon cœur. Seigneur Jésus, je mets devant le trône de ta grâce, mon cœur, parce que tu as dit dans ta parole, le cœur, mon cœur, le cœur de Joseph est tortueux. Qui peut le connaître? Il n'y a que toi, Seigneur, qui connais mon cœur. Voilà pourquoi je viens te présenter mon cœur, Jésus. Il n'y a que toi pour traiter mon cœur. Il n'y a que toi pour tracer mon cœur. Le rendre comme toi tu veux, Seigneur. Que mon cœur soit comme toi tu veux, Jésus. Que mon cœur soit semblable, oh Dieu, à ton cœur, à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te présente mon cœur. Tu la mets devant le trône de ta grâce, oh Père éternel. Je mets mon cœur devant le trône de ta grâce, oh Jésus. Que tu changes mon cœur, Seigneur. Que tu changes mon cœur. Que tu le transformes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et on acclame le roi des rois. Et tu vas dire merci à Jésus pour cette parole, pour cette introduction de ces enseignements. Et les bons de voir, Seigneur, je t'acclame. Parce que Seigneur, je vois ton amour pour moi. Je vois ton amour pour mon âme. Je vois ton amour pour mon salut. Je te loue Jésus pour tes enseignements. Ce n'est pas, oh Dieu, quelque chose qui vient de l'âme, mais c'est toi qui donnes ces enseignements. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Voilà pourquoi je viens t'élever, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Mais à la semaine prochaine, que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen.